Des centaines de migrants continuaient à débarquer ce mercredi sur les côtes italiennes. Ceux-ci ont été secourus en pleine mer par la marine militaire alors que leur bateau commençait à prendre l'eau. Ils sont arrivés ce matin dans le port sicilien d'Augusta. Depuis le début de l'année, 22 000 migrants sont arrivés en Italie selon l'Organisation internationale pour les migrations, un chiffre stable par rapport à l'an passé. En revanche, le nombre de morts en Méditerranée a été multiplié par 30, déjà 1750 victimes. Une hécatombe que beaucoup attribuent à la fin de l'opération de surveillance et de sauvetage Mare Nostrum, financée par l'Italie à hauteur de 9 millions d'euros par mois. C'est trois fois plus que l'opération Triton, pilotée par l'agence européenne Frontex, qui a pris le relais depuis novembre dernier. Réunis demain en sommet extraordinaire, les 28 pourraient décider de doubler les moyens de cette mission.